Salut tout le monde. Alors tout d'abord, merci Mani pour pouvoir profiter de ta chaîne pour faire une vidéo de la vente de mon Arma Fireteam 6S. Donc ça c'est la carreau d'origine qui a servi pour rouler. J'ai dû faire à peu près 10-12 packs avec, hein, donc elle a un peu tapé derrière, j'ai renforcé avec des riselants. Le riselant est l'ami du modéliste. J'ai mis un peu plus de Lexan sur les trous de carreau. L'intérieur, il est équipé d'un moteur 4292 1720 kV sur Passobi, avec son petit ventilo 40 mm qui va très très bien. Le Vario a un Obi-Wing Maxis 160 ampères, servo 9 IMOD 35 kg. Alors, à ma sauce, j'ai mis les renforts EXB, j'ai mis les tourelles, la platine de direction, la barre à Karman, les renvois de direction en carbone Basur Queen, les cales de train alu Octail, avec la cale supérieure aussi, donc toutes les cales sont en alu 70-75. La voiture va super bien, mais c'est pas mon trip. Je préfère les voitures un peu plus petites. C'est déjà un gros bazar pour comparer au X-Max. Ça reste plus petit, mais moi c'est pas mon truc, les gros bazars, les X-Max, tout ça. Donc je voudrais faire de la place pour mettre d'autres petites voitures. Alors, il sera vendu sans radio, parce que ça c'est ma radio. Mais comme radio, je pourrais rajouter, si la personne le souhaite, une radio FlySky FS GT5, neuve dans sa boîte. Avec, je pourrais rajouter des lipos. Hein, il y a des formules à la demande. Impeccable, hein. Il y a une corne alu techno. Moi j'aime bien techno. Je suis pas trop Traxxas. Avec, j'ai une carrosserie supplémentaire neuve, entièrement neuve, c'est-à-dire qui n'a jamais roulé, qui est resté sur l'étagère, qui est super jolie, qui est toute blanche, camouflage d'hiver. Donc je vous ai dit pour la radio. La personne qui veut me l'acheter, je peux lui rajouter pour son petit le même modèle, mais en tout petit, avec sa radio. Ses lipos supplémentaires et son petit chargeur, son mode d'emploi, tout qui va bien. Je peux faire tout un tas de formules différentes selon les envies, selon les budgets. Mais pour les budgets, j'aimerais partir sur 550 € rien que la voiture. Sans radio, sans lipo, sans véhicule supplémentaire, juste la voiture équipée de l'électro, ces deux carreaux et les pièces détachées. Donc les pièces qui étaient avec, que j'ai changé. Il y a un triangle RPM, c'est ce que je l'avais équipé directement, mais un triangle RPM, mais il y en a un qui a cassé dès la première minute du test. C'était très très drôle.
Il y a des pare-chocs supplémentaires, le frein à main qui était monté, que j'ai démonté tout de suite, parce que les freins à main, on les fait nous-mêmes. Les cales plastiques, les tourelles, les renforts, tout ce qui était dedans d'origine, voilà. Donc j'aimerais partir sur une base de 550 €, et ensuite, s'il faut des lipos, la radio, le véhicule supplémentaire, eh ben, on en discute. Vous me mettez un message sous la vidéo. Je suis Ziggy59. Merci de m'avoir écouté. Que la fête continue.